Le bordel, je me suis retrouvé nez à nez avec un truc de. Avec un tank, frère. Pas mal. Les drones ont perdu la cible. Alors, retrouvez-la. L'épreuve de l'homme mystère est à Kingston. Jusqu'à présent, il s'amuse avec moi. Il aime ce sentiment. Je sais pas. Ça m'étonnerait que son petit jeu s'éternise. Qui sait de quelle façon sa démence s'est manifestée sur... Il s'agit sûrement d'entrer, mais je dois d'abord sécuriser la zone. Osef. Non, détective, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu participes à mes petits jeux. J'ai montré un début de stream, Pango. Je suis incapable d'imaginer ce que ça fait d'être aussi intellectuellement isolé du reste de la race. Je ne peux pas dire que tu offres un défi digne de ce nom, chevalier noir, mais ta résistance faiblarde est un changement appréciable comparé à la capitulation directe des autres. Bon courage, Jam Jam. Bon courage, frérot. Monsieur le chevalier noir, tu vas regretter de ne pas être venu en Batwing. Qu'est-ce que c'est que cette lieu? Faut que je vole ou quoi là? D'accord. Ah mais merde. Mais je peux pas passer. Coincé, chevalier noir. Ce n'est pourtant pas une énigme de haut vol que je te propose. Ah, peut-être un batarang. Peut-être un batarang de télécommander. Ben fallait être là mon frère. Je vais pas remontrer à chaque fois toutes les tenues pour toutes les personnes qui... Tu vois je te dis ou pas? Allons chevalier noir, ne me force pas. Sachant que j'ai éjecté de cette épreuve. Éjecté de cette épreuve. Sachant que je les montre tout au long de la soirée, donc tu les verras tout ou tard. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah c'est des robots, ok. Ma foi! Permet d'activer les objets de l'homme mystère alentour, mécanisme activé par pression. Ça va dans l'eau cette merde? Non. Ça va pas dans l'eau.
Ah, le problème c'est qu'il veut pas, tu vois ce bâtard. Il veut pas se coller, mec. Bonne nuit, popcorn. Pas bête ça. Non. Non. Il veut pas le monsieur. Non, j'ai pas vu ton message, gros. Oh, quel dent. J'ai pas vu ton message, gros. Ça va, faut faire ça tout le long. Mort de rire. Il y a beaucoup de tenues dans la saison de passe. Ouais, il y en a pas mal, gros. Magnifique, bon courage. Ouais, ouais, si, si, j'ai pas mal de soucis, ouais. Avec la FPS sur le jeu. Ouais, si, si, ouais. Tu me follows sur Twitter, sur Facebook, Kuro? Mais j'en parle souvent, mec, en fait, de tout ça. Même si j'en parle pas des fois en live. Merde, quel con. J'en parle souvent de tous les problèmes techniques que je peux... Bien sûr. Comme 90% des gens... Ce matin, je me suis levé, j'ai vu 7000 avis négatifs sur le jeu, je me suis affolé, quoi. Du coup, c'est bon, non? Je devrais d'abord aider Selina à choisir sa clé. Oh, ça bug. Un, deux, trois, le quatrième. Encore des vitrines. Génial. Ma partie préférée. Bon, il est peut-être l'heure d'éventuellement mourir. Tout à fait, Jam, à cause des droits d'auteur, frère. Ouais. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça que j'avais prévu de passer la nuit. Encore une clé de déniché. J'espère que tu ne lui donnes pas de faux espoirs. Oh super, on va s'amuser. Ah, une nouvelle porte s'est ouverte.
On continue un petit peu la quête principale, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On va laisser Catwoman un petit peu galérer toute seule. Bien joué, Chevalier Noir. Tu as réussi une nouvelle épreuve. D'accord, parce que j'en ai parlé, Kuro, en fait, sur Facebook. Merci infiniment, Jean-Jean. Merci pour ton soutien, frère. Ouais, j'ai pas vu MapMond. Merci, mec. Allez. Donc tu peux faire la quête principale. Il est où? Ah, peut-être dessus. Ah, c'est un hélico peut-être, non? Je sais pas. C'est quoi ce truc là-bas? C'est pas un oiseau ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc voler là-haut là. C'est le meilleur Halloween de tous les temps. Et si on allait choper des costumes dans une boutique? L'avez entendu? Il est là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain? Je peux rien lui faire, ce bordel. Alfred, analysez l'échantillon de sang que j'ai transféré. Tout de suite, Maître Bruce. Je cherche les correspondances possibles. J'ignore d'où vous tenez cet échantillon, monsieur. Ah, nous y sommes. Ce sang a été altéré, mais nous avons une correspondance partielle. Docteur Kirk Langstrom. Cherchez des locaux à Gotham que le docteur Langstrom loue ou possède. Bien sûr, un instant. Ah, son épouse et lui louent un laboratoire souterrain à Chinatown. Je vous envoie l'adresse. Et tu sais quoi? Sur ma vie, je me rappelle tard peine de cet épisode. J'étais fan honnêtement de la série de 90. Je sais pas s'ils avaient fait un film. Je crois que c'était un film qu'ils avaient fait sur ce personnage en fait. Où c'était une chauve-souris en fait. C'était un homme qui s'était transformé en une sorte de chauve-souris comme celle-ci. Mais je crois qu'elle était plus baraque, non? Si mes souvenirs sont bons. Mais honnêtement, waouh, ils l'ont mis dans la série quoi. Ils l'ont mis sur le jeu. Oh, c'est fat. Franchement, c'est énorme. Et en fait, Kuro, pour t'expliquer, en fait, je pense qu'un patch va sortir très prochainement. Mais oui, il y a eu pas mal de soucis, sachant que c'est pas Rocksteady qui est derrière la version PC du jeu. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les personnes qui se sont occupées de la version PC de ce Batman Arkham Knight. Et ça a été la même hein, pour Batman Arkham City. Non, Origin, si je dis pas de bêtises. Du coup... il y a eu quelques petits soucis, mais sinon, sinon le jeu il est bien. Honnêtement, le jeu il est bien en lui-même, mais il y a eu quelques petits soucis à la sortie du jeu, voilà. Mais sinon, le jeu en lui-même il est énorme, bro. Il est énorme, sérieusement, ouais. Ouais, c'est. Comment il s'appelle? Manbat? Vous êtes sûr? Il était énorme ce truc. C'était énorme. C'était une sorte de petit film, non? Si j'ai pas de conneries? Ouah, wow, il était tellement énorme ce truc, je crois que même il s'était fait mordre ou un truc comme ça. Ouah, wow, des souvenirs, ça commence à revenir et tout, flashback. Et gros, je devais avoir 10 ans. Chevalier d'Arkham. Ouah, wow, du coup c'est... J'étais parti pour faire la quête principale, hein. Non, allez, vas-y, on est reparti pour faire la quête principale. Ça dit rien, et pourtant j'étais à Arkham City. Regarde mec, à chaque fois tu fais un truc, il y a quelque chose qui t'interpelle.
C'est hard ou pas? Début du piratage, monsieur. Je suis désolé, hein, vous inquiétez pas, on va la lancer, je vais lancer la quête, mais... Batmobile repéré, Grand Avenue. Maître Bruce, si vous quittez la zone, la bombe explosera. Ouh! Batman a détruit un drone. Faut jouer avec les lasers. J'ai perdu un drone. Wow, wow, wow. Drone touché. Drone en ligne. C'est Man Bats, ok. Bon, sinon, si j'ai besoin de renseignements quoi, Kuro, je t'ai dit, mec, sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Facebook m'ont parlé. Je suis pas le genre de mec, tu me poses des questions, je te réponds, tu vois. Après, il y a des trucs qui sont relous. Il y a des personnes qui viennent qui me demandent, ouais, tu peux jouer avec moi, tu peux jouer avec moi, tu peux jouer avec moi, tu peux jouer. Tu vois, je te dis, ce genre de truc, je réponds une fois, je dis, mec, écoute, tu vois, je te dis, je joue en live et tout ça, mais j'ai pas le temps, j'ai ma femme, ma fille, je peux pas jouer en journée. Et les mecs ils comprennent pas, donc ça après je m'en fous. Mais si tu viens, tu me poses une question sur Facebook, n'importe qui. Si vous avez des questions sur des jeux que j'ai testés, sur, n'hésitez pas, vous venez me voir en privé sur Facebook. Même, tu sais quoi, je communique beaucoup depuis que je me suis mis à Snapchat. C'est comme si en fait j'avais votre numéro de téléphone en vrai, quoi. Comme si vous avez mon numéro de téléphone. Donc à n'importe quel moment, en fait, vous me snappez, je sais pas comment on dit ça. Vous pouvez même envoyer des messages. Donc vous m'envoyez un message, je parle avec beaucoup de personnes. Honnêtement, je parle avec beaucoup de personnes. Donc c'est comme si vous m'envoyez un SMS et du coup je vous réponds en mon instant, quoi. Dès que je peux, je le fais, tu vois. Donc, n'hésitez pas, hein, honnêtement, n'hésitez pas. Salut Dark Angel. Après, je profite de ça, tu vois. Genre, j'ai pas 800 000 personnes qui me parlent. On est là, genre, il y a 6, 7, 8 personnes qui me parlent. Sur Facebook, il doit y avoir 2, 3 messages privés. Tu vois, je te dis, donc après. Très, très bien. Merci, j'aime bien. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion. Très, très bien, très, très bien. Bombe détruite. Au travail, maître Bruce. Ma femme se porte très très bien et ma fille c'est un démon, frère. Ma fille c'est un petit démon, gros. Elle est très 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 énervée. Elle est comment dire, elle a fort caractère, on va dire, pour son âge. Elle a fort caractère. Alors attends, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu un type respirer le gaz de l'épouvantail une fois. Pas beau à voir. Qu'est-ce qui... Pourquoi il y a deux trucs? Donc ça, ouais. Elle tient du caractère de qui, à mon avis? De ma femme. Ma femme a un caractère très très très... Elle est très nerveuse. Je suis nerveux, moi, mais je suis moins nerveux qu'elle. Et ma femme, ouais, c'est elle, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller. Mais en pire. Je sens que je vais m'arracher les cheveux si j'en ai encore. On va essayer ce qu'on avait fait la dernière fois avec le gel. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Alors quoi, on est sous occupation maintenant. C'est tordu. Non. Ouais, y a pas de soucis, Kuro, si tu as besoin de conseils ou quoi, d'avis. Ah, je savais pas qu'on pouvait. Honnêtement, je sais pas. Moi, je verrai. Allez, on est parti là pour de vrai, putain. Ils sont très très nerveux ici. Hein. Ah oui!
La version 2.0. Exactement, pour toutes les personnes qui voudraient mon Snapchat, n'hésitez pas. C'est Paranoïac. Donc Paranoïac, et le dernier A, c'est un 4. Donc I4K pour les dernières lettres. Ouais, chiffre, pour le coup. Et de toute façon, n'hésitez pas sur le stream, si vous êtes sur le chat, à écrire point d'exclamation RS, et ça vous donnera tous les réseaux sociaux, y compris Instagram et Snapchat. Ouais, j'aimerais bien voir ça, avec tous ces flingues, il finirait criblé de plomb. Les flingues n'arrêteront pas. À ce niveau-là, si, on n'a pas un seul angle mort, tu ne pourras pas approcher d'ici, ni de toi. C'est fini. Ah, GG, où il n'y a plus de traces, quoi, le délire. Mais elle a une bouille d'ange, je peux pas croire qu'elle soit aussi nerveuse. Mais tu sais quoi, mon gars, je t'ai dit, si tu as Snapchat, tu verras, gros. Je poste tout le temps des trucs avec elle, tu sais, c'est une folle. C'est une note, elle me fait délirer. Elle a un an et demi, déjà, hein. Elle a un an et demi et elle s'en fout des dessins animés. Ce qu'elle veut, c'est que des clips. Que des clips de musique. Elle danse déjà, elle a fond sur Ayo de Chris Brown et Chiga. Elle a fond sur une autre musique de Chris Brown qu'il a fait. Elle est déjà fan de Chris Brown, la minote. Elle a un an et demi, la fan de Chris Brown. Tu vois le délire ou pas? Elle danse, elle est là. Et son mot préféré en ce moment, c'est non. Viens, on va manger. Non. Fait une embardée et s'est écrasé. Viens, on va se laver. Non. Tu vois, j'ai déjà un an et demi, frère, à me faire péter un plomb, je le sens. Je le sens. Ta fille a 16 ans? Que Dieu te garde. Honnêtement, putain, à 16 ans, qu'est-ce que ça va être, moi, à 16 ans. Le chevalier d'Arkham a dû emporter Oracle ailleurs. Je devrais inspecter le véhicule de plus près. Wow. Sacré délire, hein. La voiture est sortie de la route alors qu'il n'y avait personne. Pourquoi? On dirait que le conducteur ne portait pas sa ceinture. Comme d'hab. Je devrais trouver le corps. J'adore ces petites reconstitutions là. Ça m'avait manqué dans Arkham Origins, on avait ça aussi. Si j'ai pas de conneries. Ah, il est là, non? On avait ça aussi. T'as pas fini, lol. Mort de rire, Papa Furex. Je m'étonne. Ah, mais ça, c'est le quadrillage de la zone, non? Ouais. Oh, mon frère. Trace de gaz lacrymogène sur la joue droite du conducteur. Oracle devait être sur le siège passager quand elle a provoqué l'accident. Astucieux. Je devrais examiner l'endroit où elle était assise. J'adore ça, frère. Pardon, je suis désolé. La porte a été arrachée durant l'accident. Si j'arrive à trouver l'endroit où elle a atterri, je pourrai comprendre ce qui s'est passé. Oh mon frère, où est partie la porte? Il n'y a pas de soucis, Celsius. Était complètement arraché. Je vais accepter de suite. Oracle est sorti. Il faut que j'examine la reconstitution pour déterminer l'endroit où elle a atterri. Elle est là-bas. Tu la vois ou pas? Ah ouais, quand même, 9 demandes d'un coup, quoi. Par contre, l'équipe, n'hésitez pas, bon, Celsius, pour le coup, t'es un bon, mon frère. N'hésitez pas à me dire après, à m'envoyer un message privé, quoi, un message, hein, vous écrivez en SMS, quoi, sur Snap, me dire quel est votre vrai nom, quoi, le nom de votre ou de vous renommer directement sur Snap avec le nom de Twitch, si ça a une importance pour vous, sinon si ça n'a pas d'importance, envoyez-moi votre pseudo Twitch, que je sache qui vous êtes, quoi, parce que si je sais pas qui vous êtes, vous me parlez genre ouah trop bien le truc, j'ai un mec, t'es qui? Surtout que j'ai pas mal de personnes, j'ai créé le compte il y a depuis samedi. Je crois qu'on doit être presque une centaine déjà sur le Snap. Je sais pas où c'est qu'on voit tous les amis qu'on a. Mais c'est juste un truc de ouf, quoi. Honnêtement, c'est kiffant cette merde, hein. Oracle est sorti du véhicule avant l'accident.
Alors bonsoir, as-tu fait l'énigme du phare? Alors là, Azrafter, aucune idée gros. On a fait pas mal d'énigmes, mais est-ce qu'on a fait celle-ci? Je pense pas gros. Pourquoi? Ça a l'air d'être très 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 chaud, c'est ça? Y'en a un direct qui m'a snappé. Bon live, merci Anthony. Oracle s'est arrêté ici. Quelqu'un lui a tiré dessus. Je devrais analyser le point d'impact pour des preuves balistiques. Oh l'enculé, on sait qui c'est, hein. On sait qui c'est direct. Wow. Ouais, si, j'ai totalement fini gros. Le calibre correspond à l'arme de poing du chevalier d'Arkham. Lui, il est sorti normal, l'accident. La trajectoire et la profondeur de l'impact désignent un tireur de sa taille. À cette distance, il ne pouvait pas manquer sa cible. Je m'étonne. Un tir d'avertissement. Là, tout se passe en cul, en forêt. Quelque chose m'échappe. Oracle savait qu'elle ne pourrait pas fuir. Elle n'a pas provoqué cet accident pour rien. Elle a dû laisser un indice en rampant hors du véhicule. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut sur ces énigmes. Sur ces... pas ces énigmes, sur ces... les experts de Gotham. Mais honnêtement, je trouve ça grave stylé. C'est vrai que j'ai jamais vu ça sur aucun jeu. Autant The Witcher, il y avait des petits trucs. Bon, ça ressemblait pas mal, tu vois. Il y avait des petits trucs, tu cherches les pas, le sang, etc. Même si je trouvais pas ça si... comment dire, si approfondi. Tandis que Batman, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Genre la pause, tu reviens en arrière, tu... Bon, évidemment, après, on est en 1272, donc je pense que... sur The Witcher, ils avaient pas ce moyen de ces matériaux. Mais... peut-être dans les débris, non? Ah. Mais je trouve ça grave stylé, honnêtement. Ah! Vous l'avez vu, hein? Non, mort de rire, Blackbeard, tu ferais pas ça, frérot. Eh mec, je te jure, je t'affiche. Hein. Tu montes ta tub. Monsieur Wayne. Lucius, Oracle m'a laissé ce brouilleur sur le lieu de l'accident. Décryptez les données, que je puisse localiser le chevalier d'Arkham. C'est plus dans les cordes de Mademoiselle okay, Gordon. Buffalo. Je vais faire de mon mieux. Mais ça prendra un moment. Je vous retrouve à la tour Wayne quand vous serez prêt. Alfred. Du nouveau sur les criminels les plus recherchés? Un instant, monsieur. Tenez, ces deux-là viennent d'arriver. Une mystérieuse silhouette masquée a été repérée sur un toit de Grand Avenue. Il est à noter qu'elle se tient près d'un bat-symbole en feu. Monsieur, il pourrait être judicieux d'établir s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi. De nouveaux rapports signalent également un incendie à la caserne de Bristol. Le sabotage de l'alimentation et des extincteurs automatiques sur les lieux indique une origine criminelle. Vous voudrez peut-être aller voir sur les lieux. Tiens, tu sais quoi? Que tu m'envoies un petit message, Posy. D'accord, sélectionner la mission. Et du coup, il y a quoi? Oh, on a pas mal de trucs quand même. Hein. Synopsis de l'affaire, progression de l'affaire, etc. Franchement, c'est intéressant. Hein. Honnêtement, je suis... Alors, ma seule déception sur le jeu, encore une fois, je vous le dis, c'est que je sens que le jeu va être assez court et riche du masque. Waouh. Putain, frère. Ça me rappelle Arkham Knight, n'importe quoi. La série que Nolan a fait, quoi. Bon, on va pas commencer à en parler, faire des débats ou quoi que ce soit, parce que je sens que ça y est, ça va faire. Il y en a qui vont dire je kiffe, moi je kiffe pas, bref, on s'en fout. J'étais en train de te parler, Posy. Essaye de voir, mec, il va avoir un patch pour Diablo, là. Il paraît qu'il va être fat. Donc, essaye de voir. Ah, d'accord, Arnaud, c'est Hunterwolf, en fait. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Donc Celsius, mon pseudo, c'est celui de Twitch. Merci beaucoup, Celsius. Ah, c'est Crazy Soul. Ok, tu nous vends du rêve. Merci beaucoup, Crazy. Et Mike. Ah, c'est Slug. Ok. Si. Vous faites délirer. Merci, Cracky le canard. Mais attends, Cracky, tu t'es pas déjà follow sur la chaîne? C'est quoi les délires?
Oh, sandwich jambon beurre, ça va mon frère. On en parle du dessin animé qu'on voit tout le temps là sur Batman. Attendez, on va le voir de plus près là. On va se mettre là, poseille. On va se mettre sur l'immeuble tranquille. Alors quoi ? On écoute l'épouvantail nous bassiner toute la nuit ? Ah non, c'est pas... Good for Gotham, Batman. Genre avec le truc, c'est un petit peu chinois et tout. Ça va ou quoi ? T'as 2 heures de live à rattraper, t'inquiète pas, de toute façon mon frère, je vais pas rester très 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 longtemps, 2 heures maximum, je m'arrache. Parce que demain je commence à 10h du mat. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, je travaille à McDo. Batman a équipé sa bagnole d'un méchant canon. Il envoie du lourd. J'ai envie de me tirer une balle. On est sur Paname. On est sur Paname. T'es marrant fou cette musique, j'ai ça dans la tête. Toute la journée j'ai eu